Bonjour à tous déjà et toutes. Peut-être on peut se présenter, Charlotte. Je te laisse te présenter dans un premier temps. Donc Charlotte Conin, donc moi je suis responsable de l'activité accompagnement des carrières et des transitions au sein du cabinet Actiforce. En quelques mots, donc pour ceux qui connaissent bien Actiforce, ce sera une redite. Actiforce, c'est un cabinet conseil spécialisé en ressources humaines. Donc on intervient sur le champ du recrutement, de la formation et du volet mobilité professionnelle. Et vous verrez que le sujet de la FEST se trouve au croisement de toutes ces activités. Raison pour laquelle nous animons ce webinaire. Je te laisse te présenter, Géry. Oui, merci Charlotte. Donc Géry Delmar, moi je travaille au sein du département accompagnement des carrières et des transitions avec Charlotte Conin. Je m'occupe du développement commercial et également de la chefferie de projet sur des missions d'accompagnement. Et j'ai rejoint récemment Actiforce, puisque j'ai rejoint Actiforce en début d'année. Une belle équipe que je rejoins. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on vous propose de vous parler de la FEST et surtout comment la mettre en place dans votre entreprise. Peut-être quelques mots sur le programme de la journée. Là, l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, pouvoir vous parler de ce sujet. De ce nouveau type, de cette nouvelle modalité de formation dans un temps contraint par le webinaire. Donc, juste pour rappel en introduction aussi hein, du timing, on débute ce webinaire et on a prévu 11h midi en termes de timing. On débordera peut-être un petit peu parce qu'on a pris 5 minutes de retard. Ça va se décomposer de la manière suivante. On va vous présenter donc le document, le support qu'on vous a préparé. Et puis derrière, ça va durer à peu près 45 minutes. Et puis derrière, il y aura une phase de questions-réponses. Je vous invite au fur et à mesure de nos échanges, en tout cas de notre présentation, de pouvoir poser vos questions directement sur l'outil. Et on vous répondra, on essaiera de vous répondre au maximum de questions qui nous ont été posées pour le temps restant, donc jusqu'à midi. Voilà pour la présentation de l'organisation de webinaire. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Donc, on a quatre grandes parties. Une première partie qui va se centraliser sur qu'est-ce que c'est que la FEST, donc la définition de la FEST dans un premier temps, et puis le cadre réglementaire qui est important et qui est un élément créateur de cette nouvelle modalité de formation. Dans une deuxième partie, on va se concentrer plus sur les rôles et les acteurs de la FEST au sein de l'entreprise. On va voir qu'ils sont multiples, qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui porte ce projet. Dans une troisième partie, on va faire un focus sur la construction du parcours pédagogique, puisqu'il s'agit effectivement d'apporter un nouveau type d'ingénierie pédagogique à cette nouvelle modalité de formation sur le travail. Et puis en finale, sur le quatrième point, on va parler de toute la valeur ajoutée et de tous les bénéfices que peut apporter la mise en place de la FEST au sein de votre structure, par exemple. Donc sur le premier point, je vais passer la parole à Charlotte sur la question, qu'est-ce que la FEST? Alors, je ne vais pas répondre en totalité à cette question, mais en tout cas, on va resituer la FEST dans le champ de la formation. Donc là, vous avez un schéma qui synthétise vraiment le champ de la formation. D'abord, où est-ce qu'on fait de la formation? On fait de la formation soit dans les locaux de l'entreprise, soit en dehors des locaux de l'entreprise. Je mets de côté toute la partie e-learning. Je remets la formation physique qui peuvent se trouver effectivement soit dans les locaux de l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise. Et puis, vous avez effectivement l'apprentissage au sein de l'entreprise et on va vers la formation professionnelle. Et au croisement de ces champs,
vous retrouvez ce qu'on appelle l'AFEST, alors, qui est un dispositif relativement nouveau dans la mise en œuvre, mais qui finalement existe. Il a été expérimenté en fait en 2018 et il évolue. Et les entreprises, en tout cas, sont en train de se l'approprier, puisque l'AFEST, c'est vraiment une action de formation qui est en situation de travail dans un contexte qui est, et ça c'est nouveau, organisé et structuré, et qui alterne à la fois l'apprentissage formel et la situation productive et la validation réflexive. Alors, ce qui est nouveau dans la FEST, c'est effectivement la notion de structure, c'est l'alternance de l'apprentissage et surtout cette notion de réflexivité. Donc, nous reverrons tout à l'heure avec Géry, qui est vraiment nouvelle dans la mise en situation de travail. Une fois qu'on a resitué effectivement la FEST, on va vous parler du cadre réglementaire. Sur le cadre réglementaire, juste peut-être pour compléter ce que disait Charlotte, hein, c'est effectivement la mise en place est venue juste derrière une expérimentation qui a été menée au niveau français, mais il faut savoir que cette modalité de formation en fait s'intègre, hein, dans un mouvement plus large qui concerne pas seulement la France mais l'Europe, hein, c'est-à-dire qu'en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, cette nouvelle modalité a également été expérimentée et mise en place. Et c'est surtout sur ces exemples-là qui sont venus hein, donc compléter l'expérimentation française que la FEST se met en place. Dire aussi que effectivement, en termes de recul, hein, sur la mise en place de cette nouvelle modalité, on a aujourd'hui peu de recul à ce stade puisque c'est tout nouveau et que les choses se construisent aujourd'hui au fur et à mesure des mises en place. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pour justement cadrer cette nouvelle modalité de formation? Eh bien, c'est le cadre réglementaire qui vient vraiment donner les critères qui permettent effectivement de faire la distinction, comme le soulignait Charlotte tout à l'heure dans le schéma précédent, de faire la distinction entre la différence entre une formation classique et la FEST, d'une part, et la différence avec une formation sur le tas, d'autre part. Et effectivement, comme le disait Charlotte, ça se situe un peu entre les deux. Sauf que la loi vient clairement, la loi du 5 septembre 2018, vient clairement poser les choses, notamment en disant la première chose, que l'objectif de cette nouvelle modalité de formation, c'est d'aller vers une nouvelle société de compétences. Donc, l'objectif prioritaire, hein, de cet article de loi, c'est surtout d'engager de nouvelles modalités pour aller vers une société, vers plus de développement des compétences chez les collaborateurs et les salariés. En utilisant donc la formation comme un moyen la mise en situation de travail comme un outil, et enfin avec comme objectif le développement de la compétence. Donc la FEST, c'est bien une action de formation, hein, et ça c'est l'article L6313-2 du Code du travail qui le souligne. Et l'action de formation, elle se définit assez classiquement, hein, comme une action, comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. La différence, c'est qu'elle peut être réalisée en situation de travail. Et la FES utilise l'activité de travail comme le support et le levier du développement des compétences de l'apprenant. Et c'est bien ici le travail qui va constituer l'outil de formation, le matériel de formation. Donc, c'est vraiment la distinction qu'il faut retenir, c'est qu'on est bien dans une action de formation classique en termes de parcours pédagogique. Il y a bien un parcours pédagogique qui existe et qui doit exister, mais celui-ci doit s'intégrer et utiliser l'activité du travail au quotidien dans les modalités de formation. Et ce sont donc des mises en situation de travail qui doivent être préparées, organisées, aménagées, à des fins didactiques, en mettant en place, et comme l'a souligné Charlotte tout à l'heure, hein, juste à l'instant sur le schéma, en mettant en place des séquences
qui sont dites des séquences réflexives en rupture avec l'activité de production sur le lieu de travail. Et donc, ça, c'est toute une nouveauté qui demande une souplesse et une agilité dans la mise en place, puisqu'il s'agit à la fois de passer d'un moment où l'apprenant, le salarié, pour le coup, va être en situation de travail et travailler, puis à un certain moment de la journée, passer en situation apprenante. Et donc, le salarié est dans une nouvelle posture de formation. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir là, c'est vraiment qu'il y a de l'ingénierie pédagogique et que le support de formation, c'est l'utilisation de l'activité du travail sur le lieu de travail. La loi a été complétée par un décret d'application du 28 décembre 2018 qui vient des critères. Il y en a un certain nombre. Vous les voyez sur l'écran. C'est des critères absolument prendre en compte pour que la formation que vous allez mettre en place soit reconnue comme étant une formation AFEST, légalement. Et ça, c'est pour effectivement pouvoir bénéficier de l'intérêt que peut représenter la mise en place de l'AFEST dans votre entreprise. Et on va le voir en fin de présentation, mais il faut effectivement pouvoir qu'elle soit reconnue. Et ces critères donc du décret d'application de 2018 doivent donc être absolument respectés. Et il y en a quatre principaux. C'est pour la mettre en place, mettre en place votre ingénierie pédagogique et construire votre parcours pédagogique, il faudra d'abord analyser l'activité de travail concernée. Il faudra en deux la désignation d'un formateur tuteur en interne qui devra réellement exercer sa fonction de tuteur. Il faudra en trois mettre en place des phases réflexives, donc vraiment au-delà de la mise en situation, permettre à l'apprenant des moments de réflexion pour qu'il puisse donner son retour, son feedback sur le vécu de son apprentissage en situation de travail. Et enfin, prévoir à la fin des évaluations spécifiques, c'est-à-dire normées, pour évaluer les acquis de la formation. Et ces évaluations, elles peuvent être séquencées et jalonnées tout le parcours pédagogique de l'apprenant. Donc, pour terminer sur ce volet réglementaire, ce qui est important, c'est de pouvoir coller à ces critères, à ces quelques critères qui sont définis par la loi à ce jour. Ces critères sont invariants et ça permet effectivement que votre module de formation soit reconnu comme AFEST légalement lui permettre de se distinguer de ce que vous faites peut-être déjà aujourd'hui, c'est-à-dire une formation sur le tas qui, par définition, n'a pas de cadre, n'a pas d'intention au départ, n'a pas de parcours pédagogique identifié et évidemment n'est pas finançable par des aides possibles sur l'AFEST et n'est pas non plus libératoire de l'obligation de formation qu'a l'employeur aujourd'hui, alors que l'AFEST peut avoir jouer ce rôle-là, mais on va le voir, comme je vous l'ai dit, un peu plus tard dans notre support. Le parcours pédagogique, bon, là vous avez un slide qui reprend encore une fois quelques articles du Code du travail, mais on est bien sur un parcours véritablement pédagogique dans sa définition la plus pure. Il doit y avoir les conditions de prise en charge, les ressources et les moyens humains doivent être définis. Vous devez informer les bénéficiaires que c'est bien une formation qui va suivre. Ça doit avoir évidemment une finalité professionnelle. Et à la fin, on l'a vu, ça doit déboucher sur une évaluation. Et puis, vous devez surtout pouvoir être en mesure de justifier la réalisation de cette formation. Et ça demande un suivi du parcours qui doit être justifié par des éléments probants. Et bon, là, c'est assez large, hein, c'est en termes de possibilité de prouver la réalisation de la formation. Mais en tout cas, il faut prévoir un certain formalisme. C'est une des particularités de l'AFEST aujourd'hui pour pouvoir prouver que les critères sont bien respectés et que c'est bien une AFEST que vous avez menée en interne au sein de l'entreprise.
Je vais passer à nouveau la parole à Charlotte sur les principes de la fête. Alors, Thierry vient de vous évoquer la loi. De manière très concrète, finalement, quels sont les moteurs de la fête? Alors, le cœur d'une afeste, c'est quoi? Ça va être une alternance qui va être répétée, hein, c'est le système de la formation, répétée. C'est une alternance de mise en situation et de temps de réflexivité. Mise en situation, réflexivité. La mise en situation, Jéré vous l'a dit tout à l'heure et je vous l'ai dit en introduction, c'est des mises en situation, mais qui sont intentionnelles, préparées, programmées, organisées et qui ont un but pédagogique. Et ce temps de réflexivité, il va permettre l'analyse finalement de l'activité qui a été réalisée et on va donc la tracer, comme disait Géry, il faut pouvoir justifier la formation. Alors, on n'est plus simplement, avec la FES, dans une simple expérience de travail. On est vraiment sur l'ancrage des apprentissages et transformer l'expérience en compétences. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc, de ce fait, comment on fait pour outiller la réflexivité? Vous pouvez vous poser la question, mais finalement, il y a deux choses. Il y a les mises en situation qui sont proposées, qui doivent être référencées. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle un référentiel d'activité. Qu'est-ce qui est attendu? Et les activités doivent être tracées. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est vraiment les deux outils de la réflexivité. Alors, cette notion de réflexivité, Géry, moi, je voudrais qu'on zoome dessus, tout simplement parce que la réflexivité, ce qui est vraiment le moteur de la FEST, c'est donner du sens aux collaborateurs sur mon travail. On va, de manière très concrète, vous parler de cette réflexivité sur le avant, le pendant et l'après-action. Donc, action étant la mise en situation. Donc, si je prends un exemple, lorsque j'apprends à faire du vélo, si mon objectif est de faire du vélo, je vais d'abord observer mon outil, qui est celui du vélo, donc le avant. Qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi je vais essayer de faire ça comme ça? À quoi dois-je faire attention? Quels sont mes indicateurs de réussite si je prends ce vélo? Et comment je vais savoir que j'ai réussi? Donc, l'image du vélo, retenez-la parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que la notion de fest est relativement simple. Donc, la réflexivité, c'est vraiment, je réfléchis avant de faire. Ensuite, j'ai l'action. Je veux bien la planche d'avant, en fait. J'ai l'action et ensuite, je vais analyser ma mise en situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça a bien fonctionné par rapport à ce que je m'étais fixé? Quelles solutions j'ai dû mettre en place? Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais de la même manière? Donc finalement, cette notion de réflexivité, elle va mettre du sens lorsque votre salarié va faire quelque chose. Donc ça sert à la fois pour le salarié, ça va servir pour un collectif de travail, pour votre environnement, c'est-à-dire que le collaborateur ne va plus faire ce qu'il faut faire comme ça, mais finalement, le collaborateur qui apprend va faire en se disant pourquoi il faut faire comme ça, est-ce que c'est la meilleure manière de faire, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Donc, la réflexivité, c'est ça, c'est je réfléchis avant de faire, je fais et j'analyse la manière dont je l'ai fait. Retenez ça, et ça, c'est le cœur de la fête, vous l'avez là, c'est cette notion de réflexivité qui vient analyser la mise en situation. Et c'est cette réflexivité que nous allons donc tracer. Le cœur de la FEST, la réflexivité. Vous avez sur la planche suivante la méthode FAST, qui reprend ce que je viens de vous dire. Voilà. Le avant-action, donc vous retrouverez les hypothèses d'action, quel résultat je dois attendre. Donc, je suis en questionnement. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est sur des collaborateurs qui vont donner du sens à leur travail. Donc, l'entreprise va finalement à la fois les impliquer, on verra les avantages de la FEST, mais va les impliquer, va les intéresser, va les questionner. Et c'est souvent ce qui peut manquer en entreprise, c'est qu'on a des collaborateurs qui disent « on a toujours fait comme ça ». Donc là, on va vraiment mettre du sens à l'action. Donc, quel résultat je dois atteindre? Quel livrable je dois obtenir à la fin? Quelles sont les étapes par lesquelles il va falloir que je procède pour atteindre mon objectif? Quels sont les indicateurs qui vont me permettre de savoir que mon action va être réussie?
comment je dois coopérer avec les autres intervenants dans la situation. C'est pour ça que je vous disais aussi que la FEST, ce n'est pas uniquement le collaborateur qui est en formation, mais c'est un collectif de travail. Ensuite, il y a le pendant, l'action. Donc là, je m'observe. Qu'est-ce qui fonctionne comme prévu? Qu'est-ce qui change par rapport à ce que à ce qui était prévu? Comment dois-je m'adapter par rapport à ce qui avait été prévu? Alors, on a une observation qui peut être faite par le collaborateur lui-même, c'est même l'acteur principal, mais on pourra s'associer à cette réflexivité des intervenants extérieurs et on verra ça tout de suite après. Et puis après l'action, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, si je devais faire autrement, quelles sont finalement les choses que je devrais mettre en place. Les opportunités de la FEST. Vous pouvez vous dire, mais finalement, alors ne vous inquiétez pas quand vous voyez FAST, AFEST, FEST, finalement, c'est des modalités qui sont venues compléter hein, cette notion d'AFEST, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à la FEST, et cette notion de réflexivité est là depuis le démarrage. Hein. Donc les opportunités de la Charlotte, FEST. pardon, je te coupe. J'en profite parce que c'est une question qui vient d'être posée. Tu viens d'en parler. Quelle est la différence entre la FEST et la FEST? Juste une petite parenthèse, mais question de Vanessa. Voilà, donc c'est effectivement des modalités qui sont venues, sur lesquelles on a rajouté la notion de mise en situation. Alors, ce qu'on peut partager avec vous, alors je vais en parler après, mais ce n'est pas très grave, c'est que les représentants, les CSE, ont été pendant un certain temps, et le sont toujours en fait, assez frileux à la notion d'AFEST, parce que c'est quand même une grande nouveauté. On est sur de la formation de mise en situation. Donc finalement, les CSE ont réagi en disant, mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est vraiment de la formation et que c'est pas du travail masqué, de la formation qui est masquée finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser de certains collaborateurs? On dit qu'ils sont en formation, mais en fait, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que la notion de FAST que vous voyez, c'est finalement des modalités qui sont venues se rajouter, et notamment la notion de structuration de la formation, la traçabilité de la formation pour éviter justement la notion d'abus ou d'éventuels abus et que la formation soit vraiment cadrée comme une formation qu'on pourrait réaliser en extérieur avec des feuilles d'émargement. Donc voilà pour répondre à la question. Quelles opportunités finalement cette AFEST, pourquoi je mettrai en place de l'AFEST dans mon entreprise? Ben d'abord parce que ça permet de diversifier les formats pédagogiques. L'inscription de la FEST, enfin la FEST, vous pouvez l'inscrire dans des parcours de formation, de professionnalisation qui existent déjà. Donc, vous pouvez l'associer à d'autres dispositifs que vous avez au sein de vos entreprises. Donc, par exemple, la ProA, la Pro expérimentale, le contrat de professionnalisation. Donc, retenez aussi, c'est que la FEST, ce n'est pas un format qui doit être pensé seulement comme une action isolée, mais c'est vraiment un parcours de formation. Alors, ce qu'on peut quand même dire aussi sur l'opportunité de la FEST, c'est que si au sein de votre entreprise, vous vous dites, mais tiens, j'aimerais bien monter une AFEST par rapport à tel métier, ça pourrait être intéressant de mettre en place une AFEST pour telle action. Retenez une chose, c'est que si vous avez qu'un seul format, un seul salarié à former, ne retenez pas la FEST, ce n'est pas la solution. La FEST, c'est vraiment quelque chose que vous voulez dupliquer. On verra tout à l'heure, il y a effectivement une phase d'ingénierie qui est assez importante pour la FEST. Alors, si vous faites un parcours à FEST et que finalement ça ne sert qu'à une personne, c'est dommage. La FEST ne répond pas en tout cas à votre besoin. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que je peux coupler un parcours à FEST avec d'autres parcours de formation que j'ai au sein de mon entreprise. C'est un développement rapide et opérationnel des compétences. Pourquoi? Ben parce que finalement, au lieu de faire la formation, puis je vais le mettre en situation, là, on est sur l'action directe en situation de travail. Donc, on a une phase préparatoire, c'est ce que je viens de dire à l'instant, hein, donc de la partie ingénierie, mais après, on est vraiment dans la mise en œuvre de la FEST. Donc, j'ai un développement rapide et opérationnel de mes compétences. Et enfin, c'est la réduction des coûts de formation. Alors, même si le Covid a permis de penser la formation un petit peu autrement, en formation à distance, par exemple, en e-learning,
Néanmoins, la FEST, ce n'est pas de frais pédagogiques, ce n'est pas de frais de déplacement, on limite les coûts qui sont induits. Et puis, il faut retenir aussi une chose, donc je vous inviterai avec Géry en conclusion, c'est que ce sont des actions qui sont finançables pour les entreprises de moins de 50. Elles sont quasiment prises en charge en totalité, voire en totalité, selon vos OPCO. Et pour les structures de plus de 50, vous pouvez avoir des aides, notamment sur la première partie, on en reparlera. Mais voilà, c'est vraiment un soutien et sachez aussi que pour les OPCO, c'est vraiment une des priorités des années à venir de mettre en place de la FEST qui répond aux besoins opérationnels des entreprises. Alors, on vous a remis ensuite un schéma qui replace la FEST dans les formats pédagogiques courants. Vous retrouvez ici donc les formats classiques hein, que vous avez au sein de vos entreprises, donc le présentiel externe en inter, le présentiel externe en intra, le présentiel en interne, et puis on en parlait tout à l'heure, donc la formation à distance. Hein. Resituons la FEST par rapport aux autres dispositifs. Finalement, on fait l'analyse de la situation de travail, notion de réflexivité. On désigne, tout à l'heure, Géry vous l'a dit, le formateur interne. On met en situation de production immédiate, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a ces séquences et on a surtout une évaluation des acquis à la fin de la formation. Et comme vous pouvez le voir, on a très très peu de formations dans les formats classiques qui le permettent. La seule chose, vous l'avez vu hein, et vous le comprenez bien, on ne distingue pas le lieu de travail du lieu de formation. C'est pour ça que je vous disais que les représentants, les CSE, étaient très sensibles finalement à la FES parce qu'on n'a pas de distinction du lieu de travail, on n'a pas de distinction du lieu de formation, c'est vraiment au poste de travail. Nous allons ensuite voir, de deuxième partie, les acteurs de la FES. Donc, les acteurs de la FES, vous allez retrouver sur un schéma qu'on vous propose les acteurs vraiment principaux et à associer pour mettre en place une AFEST. Et on va bien insister sur les acteurs principaux. Donc, l'acteur principal reste la direction de l'entreprise. Pourquoi? Parce que la direction de l'entreprise, elle doit adhérer. On a eu des entreprises qui… l'AFEST était portée par un service RH. L'AFEST ne peut pas être portée simplement par le service RH. Ça doit être une volonté, une directive de l'entreprise. Pourquoi? Ça doit être une volonté, une nouvelle vision. C'est-à-dire que l'entreprise doit avoir envie de mettre en place cette nouvelle vision de formation, la situation de travail et le lieu de la formation. C'est aussi une organisation à mettre en place parce que ça veut dire qu'une direction, elle doit être consciente que lors des mises en situation, le salarié, il est moins rentable. Donc, ça veut dire que la direction doit porter cette formation. Et donc cette organisation. Et ça veut dire aussi qu'elle doit former ces acteurs qui vont intervenir tout au long de la formation. Et on pense à qui? Et c'est là le collectif de travail qui intervient, donc le manager, l'accompagnateur et bien sûr l'apprenant. Donc dans le collectif de travail, vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver le manager. Donc je viens d'exprimer tout à l'heure pourquoi le manager est un acteur principal. Parce que le manager doit accepter que son collaborateur, si c'est un opérateur de production, il travaille sur la machine, mais comme il est en formation, forcément, il ne va pas maintenir une rentabilité sur son poste de travail. Les séquences réflexives vont donner lieu à des temps d'analyse, donc ça veut dire que je travaille moins vite, donc il faut absolument qu'il libère du temps de production et qu'il libère aussi du temps du formateur qui va transmettre à l'apprenant. Donc, petit point de vigilance qu'on vous transmet aussi avec Géry, il faut absolument que le manager soit associé, partie prenante, acteur principal de la FEST. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. La principale difficulté derrière la direction, c'est des managers opérationnels qui finalement ne sont pas assez impliqués. Donc, vraiment, on vous sensibilise là-dessus. On pourrait vous reparler et pour aller plus loin, vous pouvez vous interroger. Nous, on conseille de mettre en place ce qu'on appelle un protocole individuel de formation. Alors, ça peut faire peur, hein, mais c'est ce qu'on appelle un PIF. Et les OPCO seront là pour vous transmettre des documents qui sont déjà existants. C'est vraiment document qui acte les acteurs, qui est signé, qui engage. Sur la mise en place de cette le manager, il va être aussi là pour
il faut l'associer sur l'analyse finalement du référentiel de compétences. On veut transmettre aux collaborateurs pour ce métier-là, pour cette action-là, ceci. Le manager, il faut l'impliquer. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui fait qu'on atteint l'objectif? Quels sont les indicateurs de réussite? Comment on transmet? Quelles sont les bonnes méthodes de travail? Donc finalement, le manager, on va l'impliquer. Et puis, on peut l'impliquer aussi sur le positionnement de l'apprenant au démarrage de la FEST et on peut l'impliquer sur l'évaluation à mi-parcours, sur le suivi et sur l'évaluation finale de l'apprenant. Donc, deuxième acteur principal, ce manager. Et ensuite, vous retrouverez donc le tuteur et l'accompagnateur. Donc, je vais reparler de l'accompagnateur formateur qui est au sein de l'entreprise, qui lui va accompagner l'apprenant tout au long du parcours, qui va transmettre, qui va former en situation de travail et qui va finalement aussi sensibiliser tous les collègues expérimentés. Il peut être aussi, donc vous le retrouvez à l'extérieur, mais il peut être aussi le référent. Le référent, ce qu'on appelle le référent, c'est le référent technique, c'est celui qui va permettre de construire le référentiel de compétences attendu. Il peut être au sein de l'entreprise, ça peut être le même, mais ça peut être aussi, ce référent peut être extérieur à l'entreprise, ça peut être un référent technique que l'on va solliciter pour des bonnes pratiques par rapport à des métiers, par rapport à des gestes professionnels, et ça peut permettre aussi aux entreprises d'évoluer, voire à des responsables, à des managers, de peut-être faire évoluer leurs pratiques en faisant intervenir un référent externe. Mais vous pouvez tout à fait, ce référent technique peut être interne à l'entreprise. L'apprenant, j'en parle pas, c'est celui qui va effectivement apprendre et analyser, donc mettre en situation et avoir cette période de réflexive. Et puis, on en parlait tout à l'heure, les OPCO qui sont là pour vous conseiller et aussi pour vous aider dans le montage financier. J'ai parlé du CSE et du dialogue social, donc là, il faut absolument inclure, hein, je n'y reviens pas, mais ça me semble important avec Géry de vous sensibiliser là-dessus. C'est bon, Géry, en fait, je l'ai traité avec le schéma, on va pouvoir passer à la suivante. Alors, si petite, pour partager avec vous, est-ce qu'on peut faire de la FEST pour tout? On pourrait imaginer qu'on peut faire de la FEST pour tous les métiers, pour toutes les compétences à acquérir. Néanmoins, il y a des métiers sur lesquels on vous invite... On ne vous invite pas à mettre en place de la FEST. Donc, tout à l'heure, on vous a dit, si c'est pour une personne, ne le faites pas. Si c'est pour un collectif ou si c'est quelque chose que vous allez dupliquer, faites-le. Et la deuxième chose qu'on voudrait partager avec vous, c'est sur les métiers, si certains relèvent du milieu médical, bien évidemment, mettre en place de la FEST dans le milieu médical semble dangereux. Donc, toutes les activités qui présentent des dangers ne sont pas... ne sont pas des sujets à FEST. Exemple, quelqu'un qui serait sur du milieu chirurgical, il semble difficile de mettre en place de la FEST. Voilà. Il y a danger, donc il faut éviter de mettre en place. La FEST ne répond pas en fait à ces exigences. Voilà, Géry, on va pouvoir passer à la séquence numéro 3 sur le ruban et la construction d'un parcours pédagogique adapté aux situations apprenantes, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Géry. Non? C'est bon? Non, c'est parfait, je suis. Okay. Donc, on a fait le choix avec Géry de vous présenter la FEST au travers de quelque chose d'assez visuel. On peut se dire, oh là là, la FEST, ça y est, on a compris. Géry et Charlotte nous ont bien expliqué. Pas une personne, mais plusieurs. La mise en situation, le fait d'analyser et de mettre du sens dans le travail des collaborateurs sur l'analyse de ma mise en situation. Mais finalement, concrètement, est-ce qu'il y a des phases? Est-ce qu'il y a des phases obligatoires? Alors, nous, on aime bien ce ruban avec Géry parce qu'il est très visuel. Donc, première chose, c'est les premières questions à vous poser, c'est la demande. Pourquoi je mettrai en place de la FEST? Pourquoi je mettrai en place de la FEST? Alors, Géry reviendra tout à l'heure, mais ça peut me permettre, en 3-4 mots, hein, ça peut me permettre de perfectionner les collaborateurs sur un métier qui sont déjà en poste. Ça peut me permettre de faire évoluer mes collaborateurs en interne et répondre à mes obligations des entretiens pro. J'ai mis en place et je travaille sur la mobilité de mes collaborateurs. Je peux aussi initier certains collaborateurs à une nouvelle activité et je décide de mettre en place de la FEST. Ça peut me permettre aussi d'intégrer, je peux intégrer la FEST dans un programme d'intégration. C'est-à-dire que tous mes nouveaux arrivants, j'ai un module, donc là on parlera peut-être de module, j'ai un module qui sera pour tous les nouveaux arrivants. Parce que pour moi, c'est extrêmement important,
ce pôle de compétences est important. Et finalement, vous allez construire votre AFES avec un objectif d'intégration. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi je mettrai en place l'AFES? Ensuite, on a une phase d'initialisation et de diagnostic. Ça, sachez-le, vous pouvez être épaulé par vos OPCO qui vont réaliser ce qu'on appelle un diagnostic RH. C'est que maintenant que je sais à peu près pourquoi je mettrai en place de l'AFES, eux vont réaliser si c'est faisable. Donc ça, vous pouvez être aidé en termes de conseils. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pris en charge pour les entreprises de moins de 5. Pourquoi? Parce que la phase importante de la FEST, sur laquelle vous pouvez aussi vous faire aider par vos OPCO au travers de prestataires qui sont retenus, c'est la conception. La conception, c'est l'ingénierie. Donc, je construis le parcours à FEST. Donc, je vais construire mes référentiels, je vais construire mes séquences pédagogiques, ce sur quoi finalement va porter mon AFEST. Ensuite, je vais préparer mes acteurs. Alors, on a vu comment transmettre, comment être tuteur, comment être formateur. On n'est pas, certaines entreprises nous disent, mais finalement, quelle est la différence entre le tutorat et la FEST? Le tuteur, il fait quoi? Il dit, je te montre ce qu'il faut faire et tu fais. Là, on est sur de l'analyse. Avant, pendant, après. Voilà la grosse différence entre le tutorat et la FEST. Ensuite, je mets en œuvre la FEST, phase 4, et je dresse le bilan, et le bilan, il comprend effectivement la partie évaluation, on en parlait tout à l'heure, et je vais recueillir tous les bénéfices de cette AFEST pour effectivement derrière peut-être le dupliquer sur d'autres choses. Donc, on vous a juste mis avec Géry un dispositif vraiment simple qui répond aux TPE, PME, parce qu'après vous avez des dispositifs un peu plus complexes quand vous avez plus de personnes informées ou plus de complexité. Je suis bien la page suivante, chérie. Donc ici, on vous reprend en fait les étapes en détail. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails puisque je voulais un peu exposer, mais je vais préparer mon dispositif. Donc pourquoi mettre en place la FES, sur quel type de mise en situation, quelles compétences je souhaite acquérir. Ensuite, je vais concevoir le dispositif. Donc, c'est là que je vous parlais, c'est vraiment la partie ingénierie. Donc, je vais définir effectivement les situations pédagogiques, je vais rédiger les fiches pédagogiques AFEST et puis je vais construire aussi le dispositif d'évaluation, de l'AFEST au moment du bilan. Je vais préparer mes acteurs. C'est là tout à l'heure qu'on disait il faut absolument que j'associe mon collectif de travail. C'est ici que je vais rédiger mon PIF dont on parlait tout à l'heure. Je peux aussi rédiger ce qu'on appelle une charte AFEST, les droits et devoirs de chacun. C'est quelque chose de vraiment simple, mais qui permet d'acter l'engagement des acteurs. Et c'est ici aussi que je vais adapter et préparer mes acteurs. Donc, je vais les former. Ensuite, nous avons la mise en œuvre de l'AFEST. Là, avec qui va jusqu'à l'évaluation finale, et je dresse le bilan sur les compétences acquises et les bénéfices pour mon entreprise pour éventuellement le dupliquer de manière très synthétique. Vous avez ensuite, vous avez les outils des séquences pédagogiques. On retrouve en fait, il y a 4 types de séquences. Donc, n'insiste pas parce que vous allez voir, c'est un bon résumé de ce qu'on vient de se dire. Je vais repérer les acquis, donc je vais identifier les compétences qui sont maîtrisées par les collaborateurs et celles que je souhaite développer. Et je vais permettre à l'apprenant finalement d'exprimer aussi ses souhaits de progression et de s'auto-positionner. Ensuite, j'ai la formation qui se déroule en situation de travail. J'ai les séquences pédagogiques dont on a parlé tout à l'heure. Et je vais enfin mesurer les acquis. Donc les acquis, les compétences qui sont par rapport aux compétences visées et voire même envisager une suite de formation. Thierry ? Super. Séquence réflexive. Voilà. Ensuite, on vous a dit tout à l'heure, il faut absolument tracer l'action. Alors, ne vous faites pas une montagne de la traçabilité de l'action à FEST. Retenez une chose, c'est pourquoi c'est nécessaire. C'est nécessaire d'abord parce que ça permet de justifier que j'ai bien exécuté ma formation. Donc, ça permet aussi de fournir les justificatifs aux OPCO, puisque vous avez des aides qui peuvent être attribuées par les OPCO sur la FEST. Ensuite, financier, parce que ça permet de recenser et d'imputer les coûts de cette formation et puis de valoriser, bien sûr, les actions, vos actions de formation.
Et puis, la traçabilité, elle est aussi pédagogique. Donc, c'est aussi ça et surtout ça qui est important. C'est que ça permet de suivre la progression de vos apprentissages, de vérifier au fur et à mesure du parcours AFEST l'atteinte des objectifs ou les réajustements nécessaires, de valoriser votre collaborateur sur sa montée en compétences, de réajuster par rapport au manager ou au formateur la formation. Donc, elle permet d'adapter finalement votre plan de formation et puis elle permet aussi de conduire les activités pédagogiques, donc les phases réflexives et évaluation. Donc, finalement, on aurait pu mettre l'importance de cette traçabilité, elle est vraiment pédagogique dans un premier lieu parce que votre collaborateur et tous ceux qui vont contribuer à la formation du collaborateur vont être valorisés lors de ces moments qui sont tracés par l'action de formation. Thierry. Donc, Oui, je donc. redonne la parole pour la dernière phase avant la phase de questions-réponses qui sont sur l'identification des bénéfices induits. Pourquoi je mettrai en place de la FEST au sein de mon entreprise? Merci Charlotte. Donc oui, effectivement, pourquoi mettre la FEST en place dans mon entreprise? C'est une question qu'il faut absolument se poser, puisque Charlotte vous l'a bien décrit et a bien insisté dessus. Parce que, effectivement, d'une part, la direction de l'entreprise doit vraiment s'impliquer dans le projet, tout simplement parce que ce n'est pas une simple formation ponctuelle. Vous l'avez compris, en parcourant le ruban, c'est quelque chose qui se construit, qui se met en place, et qui s'évalue, et qui a vocation à s'intégrer dans une politique RH. Une politique de formation globale de la structure, quelle que soit sa taille. Donc c'est vraiment un choix qui faut peser, et ça rentre effectivement dans les bénéfices, hein. Un des bénéfices induits, c'est effectivement, on va les voir, je vais passer un certain nombre en revue avec vous, mais un des bénéfices induits, c'est effectivement de pouvoir intégrer la FEST dans une politique de formation, une politique de gestion des compétences internes, une politique de montée en compétences des collaborateurs. Et ça, comme l'a dit Charlotte, ça peut être mis en place en début de carrière, c'est-à-dire pour les nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise. Ça peut être mis en place aussi lors des départs de certains collaborateurs pour éviter la perte de savoir-faire qui peut être liée à des départs à la retraite. On sait bien que sur certains métiers, ça peut être vraiment véritablement stratégique et très important que la personne qui s'en va puisse en mesure de réaliser une passation dans les meilleures conditions possibles en termes de savoir-faire aux collaborateurs qui prennent sa suite. Donc, d'une part, si on doit classifier hein, ces bénéfices, un des premiers bénéfices dont on peut vous parler, c'est un bénéfice lié à l'emploi et au recrutement. La FES, ça peut répondre effectivement aussi à des enjeux de recrutement qui sont liés à une situation pénurique de certaines compétences sur un territoire particulier et donc permettre d'intégrer des collaborateurs et de les former directement dans son entreprise. Tout simplement parce que l'offre de formation sur votre territoire ne correspond pas à vos attentes, mais que vous, évidemment, en interne, vous avez le savoir-faire idoine pour pouvoir former les nouveaux collaborateurs à votre expertise métier. Donc, tout simplement, lorsque l'offre de formation ne répond pas, ne répond pas à vos besoins, vous pouvez effectivement construire une AFEST et la mettre en place et pouvoir comme ainsi hein, supplanter ce manque de formation externe par une formation interne que vous mobilisez directement au sein de votre entreprise. Vous pouvez aussi proposer cette AFEST et cette formation, pour le coup, dans votre annonce de recrutement. C'est sûr que ça peut être très attractif pour un jeune, par exemple, de savoir que s'il intègre l'entreprise et s'il s'astreint à apprendre
apprendre un nouveau métier ou à apprendre de nouvelles tâches, c'est très bénéfique pour lui de pouvoir profiter de cette formation. Donc, c'est vrai, c'est un argument supplémentaire, en plus de l'attractivité du poste, l'attractivité de l'entreprise, l'attractivité du salaire, de mettre aussi une partie d'attractivité sur la formation et sur l'accompagnement, finalement, dont va bénéficier le nouvel intégrant tout au long de son parcours au sein de l'entreprise. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut, vous pouvez aussi rendre ces parcours à FEST et les transformer en véritables parcours certifiants, ce qui permet effectivement aussi de renforcer les compétences des collaborateurs et de les valoriser et de les formaliser par des certifications, mais également renforcer votre expertise et votre image employeur et votre expertise métier sur votre savoir-faire, tout simplement. Ça, c'est sur la partie recrutement. Sur la partie également recrutement, il y a un vrai sujet que permet la FEST, c'est-à-dire que la FEST s'adresse finalement à tout public. Ça, Charlotte l'a bien spécifié. Ça peut être des employés comme des cadres, par exemple. Mais l'intérêt pour des personnes qui seraient éloignées de l'emploi, il y a un véritable intérêt à pouvoir mettre en place la FEST pour les personnes qui sont un peu plus éloignées des formats classiques de formation, qui ont un peu plus de mal à s'intégrer dans des schémas de formation très, très classiques. Et donc la FEST, par le fait que ce soit une mise en situation de travail, a un côté tout à fait pratico-pratique et tout à fait convenable, en tout cas qui peut convenir à des publics qui seraient éloignés des schémas de formation classiques et qui demandent un engagement et un formalisme qui n'est peut-être pas nécessaire pour apprendre une tâche en situation de travail bien particulière. Donc ça permet un apprentissage plus simple, plus rapide, plus adapté aussi aux moyens dont dispose l'entreprise. Et donc aussi d'intégrer des personnes qui seraient éloignées de l'emploi et vraiment contribuer au développement des compétences et à l'insertion professionnelle de certains publics. Et enfin, Charlotte en a parlé, l'intégration dans la prise de poste, évidemment, même si c'est toujours avoir un programme, ça peut tout à fait s'inclure, comme l'a dit Charlotte, dans un programme d'intégration formalisé, et ça peut être aidant, effectivement, pour vous aider à construire un programme d'onboarding d'intégration des collaborateurs, quel que soit leur niveau de poste d'ailleurs, encore une fois, lorsqu'ils intègrent l'entreprise. Et ça permet aussi de les fidéliser et de sécuriser l'embauche sur le long terme et de pérenniser le poste, notamment sur les métiers pénuriques, sur le long terme dans l'entreprise, dans votre entreprise. On en a parlé tout à l'heure, les bénéfices, donc on a parlé des bénéfices en termes de recrutement, mais comme je le disais, comme on le disait avec Charlotte évidemment, ça s'intègre dans une politique plus large. Ça peut s'intégrer sur une politique de développement des compétences sur le long terme, hein, par rapport à la spécificité de votre métier, par rapport au savoir-faire spécifique. Vous voulez améliorer. Vous risquez de perdre des savoirs, vous risquez de perdre aussi des collaborateurs. Et on a eu le cas avec des clients qui font face à des taux de turnover importants, qui voient partir des compétences de manière assez régulière. Et mettre en place la FEST, ça peut être une solution pour ne pas perdre les compétences, même s'il y a un fort turnover. Et bien c'est s'assurer par le biais de la FEST que les compétences sont transférées régulièrement. Et de manière structurée, sans perte de savoir-faire, tout au long de l'année, par exemple. La FEST est aussi aidant pour vous identifier vos pratiques, parce que forcément des pratiques qui se font aujourd'hui en interne chez vous, mais le mettre en place la FEST, ça vous permet, dans la phase, comme vous l'avez vu dans le ruban d'analyse des besoins, de pouvoir identifier des compétences en interne de personnes qui, effectivement, ont des idées déjà en termes d'outils, ont des idées en termes de parcours de formation à proposer et ont aussi vocation à être tuteur au sein de l'entreprise
et ont cette capacité, cette posture à pouvoir intervenir auprès des nouveaux collaborateurs ou auprès des collaborateurs en général pour les former et partager et transmettre leur savoir. C'est aussi, ça concerne aussi le savoir-être. La FES est utilisée par, on l'a vu chez des clients aussi, pour améliorer le savoir-être des collaborateurs. Tout simplement grâce à cette phase de réflexivité qui est prévue dans les séquences pédagogiques. Cette séquence réflexive est importante parce qu'elle permet de donner un temps dédié à la personne pour réfléchir à ses actions dans le travail. Souvent, c'est des choses sur lesquelles les salariés ne se posent pas ou ne prennent pas le temps de se poser. Là, l'entreprise se propose de donner un temps aux collaborateurs pour se poser, avoir sa séquence réflexive et pouvoir faire le point sur les choses les plus et les moins, les choses qui réussissent et les choses sur lesquelles il a encore besoin de progresser. La FEST, mais mettre en place la FEST, enfin, c'est faire bouger l'organisation de travail. Donc, ça peut avoir, c'est pour ça que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, parce que c'est vraiment un engagement de formalisation en rapport avec la traçabilité qui est demandée sur cette nouvelle modalité de formation. Ça veut dire mettre en place des protocoles, ça veut dire faire un suivi. Et donc, évidemment, ça veut dire organiser le travail et penser à l'organisation du travail différemment de ce qui pouvait être fait auparavant. Et enfin, ça peut contribuer à la qualité du travail parce qu'on est vraiment là sur une approche de développement continu des compétences, comme on l'a exprimé et indiqué sur la raison d'être hein, de cette AFES. Voilà pour les bénéfices pour l'entreprise. Pour les collaborateurs, bon, on en a parlé, je vais passer un peu plus rapidement pour qu'on puisse aborder les questions avec vous. Mais évidemment, pour le collaborateur, on l'a vu hein, sur la partie attractivité, hein, c'est vraiment intéressant pour lui parce qu'il y a une vraie réciprocité, c'est qu'il va travailler tout en apprenant. Et donc, ça, c'est vraiment pour le collaborateur et pour l'entreprise, évidemment, puisque là, il y a vraiment tout le collectif de travail qui peut aider à acquérir de nouvelles compétences. Il y a l'idée de pouvoir aussi favoriser la reconnaissance par vos pairs, hein, valoriser, formaliser une pratique, un savoir-faire qui est celui de votre entreprise. Eh bien, c'est aussi un exemple à donner dans votre secteur, sur vos métiers. Et c'est aussi construire hein, pour votre métier, votre expertise, construire pour l'avenir et construire pour votre entreprise, bien sûr, mais aussi montrer que les choses se formalisent pour se pérenniser dans le temps. Et ça, c'est effectivement une reconnaissance qui peut être aussi plus générale entre pairs. Et puis enfin, la FEST, on l'a vu avec les personnes qui ne seraient pas forcément très à l'aise hein, sur des schémas de formation classiques. Eh bien, la FEST facilite clairement l'accès à la formation, surtout sur des publics qui sont peut-être pas forcément à l'aise avec tout ce qui est théorie, tout ce qui est écrit. Là, on est sur les côtés pratico-pratiques, sur la manipulation, sur les tâches, sur des situations, par exemple, hein, parce que ce n'est pas seulement les choses pratiques, mais ça facilite l'accès à la formation dans le sens où il y a vraiment, ça fait la part belle à la situation de travail. Donc, quel que soit le travail, que ce soit pratique ou pas, ou intellectuel, là, on est vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est là où les compétences, finalement, se révèlent. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. La FES, ça permet d'aborder les deux dans une séquence sur le lieu de travail, en situation de travail, de permettre une réflexivité. Et donc, forcément, ça facilite l'accès à la formation qui peut se faire avec la FES de manière continue et pas non plus de manière très ponctuelle dans une année. Voilà pour les bénéfices. Bien sûr, il nous reste quelques minutes pour vos questions. Et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez les poser directement sur l'outil de chat là, que vous pouvez utiliser. Il y en a quelques-unes déjà. Il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y en a même certaines auxquelles on a déjà répondu. J'en vois une. Est-ce que la FES peut être utilisée pour un salarié nouvellement arrivé dans l'entreprise? Tout à fait, il n'y a pas de critères de est-ce que c'est dans le cadre d'un recrutement, est-ce que c'est dans le cadre de mobilité. Donc vraiment, au contraire, ça c'est vraiment là, ça répondra à
ce sera même un outil de fidélisation hein, et de montée en compétence dès le démarrage. Donc, il n'y a aucun critère de, je dirais, pour accéder en fait à la FEST, pas de durée d'apprentissage. Il y a une chose qu'on a oublié de dire qui me semblait quand même importante et qui répond à une des questions qui est posée par un centre de formation entre la FEST et FEST, c'est que vous pouvez tout à fait ajouter, au-delà des mises en situation et des actions réflexives dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez tout à fait ajouter dans la FEST des parties de formation en e-learning, des parties de formation vraiment pure, qui peuvent être ajoutées dans le parcours de formation. Ce qui est vraiment la différence, donc ça répond à une des questions, Géry, c'est pour ça que je le fais pendant que je regarde les autres questions, c'est que la FEST, c'était vraiment agencer des situations de formation en mobilisant l'activité productive, alors que la FEST, c'est la même chose, et j'ai une approche qui est vraiment formative. Voilà la différence, et ça m'a fait penser qu'on avait oublié de dire que vous pouviez tout à fait ajouter en plus de mise en situation période réflexive, vous pouvez tout à fait ajouter des modules ou intégrer dans la FEST des parties et dans la construction de la FEST, d'ailleurs c'est réfléchi et pensé, ça peut être, on a des entreprises par exemple qui ont mis des modules vraiment purement techniques, 3 jours de formation en e-learning qui sont sur la technicité du bois, sur la technicité du traitement du bois. Voilà, donc vous pouvez tout à fait intégrer des parties très théoriques dans la formation à FEST. C'était pour répondre à une autre question. Il y a une question sur le financement, la prise en charge OPCO. Oui. Peut-être tu peux… Moi, il n'y a pas de règle parce que tous les OPCO sont sensibles en fait à la FEST. Tous se sont, je dirais, sensibilisés aux prestations. Certains OPCO, je pense à Acto, aujourd'hui, réalisent eux-mêmes la FEST. Donc, c'est les conseillers le font eux-mêmes pour le moment. Et puis, vous en avez d'autres. Je pense à Uniformation, je pense à Constructis qui font aujourd'hui les prédiagnostics. Ensuite, les diagnostics sont réalisés par des prestataires extérieurs vraiment spécialisés sur le volet RH, donc des cabinets RH. Et puis, vous avez des, je pense à Opcapiat, par exemple, qui aujourd'hui a décidé vraiment d'accompagner ses adhérents sur la totalité de la démarche à FEST, c'est-à-dire propose de manière séquencée en fonction des tailles, en fonction des attentes, le diagnostic, la construction, donc tout le volet ingénierie et l'accompagnement aussi des formateurs, la montée en compétence des formateurs, l'association au suivi de la montée en compétence du collaborateur et être associé aussi à la partie évaluation. Donc, ça dépend vraiment de vos OPCO. J'ai envie de dire, rapprochez-vous vraiment de votre OPCO pour connaître les modalités et ça dépend aussi des tailles dans votre entreprise. Si vous êtes moins de 50, la prise en charge sera plus importante, voire totale. On a une question de Nathalie, je vais me faire porte-parole pour Nathalie. Donc je cite, hein. Du coup, si je comprends bien, il n'y a à aucun moment un organisme de formation qui intervient dans le parcours à FEST. Pas d'interrogation. Alors, oui et non, c'est pour ça que j'ai rajouté cette notion qu'on avait oubliée hein, sur le fait qu'on pouvait tout à fait mettre de l'action externe. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai parlé des formations en e-learning, par exemple, hein, en e-learning. Vous pouvez tout à fait associer des organismes externes dans le parcours à FEST, mais vous pouvez aussi décider de faire du, entre guillemets, 100% sur mesure. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question de Nathalie. Je pense. Si c'est pas le cas, faut nous le dire. D'accord. Il répond merci Géry, donc ça va. Oui, je vois. Il y a Emmanuel aussi qui pose une question. Oui. C'est une question qui concerne. Le CFA, toujours, oui. D'Emmanuel. Et la question… J'avais répondu. J'avais répondu sur ce complément entre une entreprise qui fait appel à un CFA,
qui fait la demande, comment ça s'articule en fait. Charlotte. Le fait d'être en apprentissage. Oui. Ouais. Non, mais ce sera l'apprentissage. Enfin, c'est pour ça qu'on a parlé des contrats qui peuvent inclure. On a parlé de la proie, on a parlé du contrat de professionnalisation. On n'a pas mis l'apprentissage parce que l'apprentissage est un outil en tant que tel dans lequel voilà, on peut intégrer. C'est pour ça que ça répondait à une autre question qui était la FEST et non pas la FEST. J'ai une question sur la prise en charge. Ce sont les charges du salaire ou aussi le temps du tuteur ou du service RH dans la construction du parcours. Ça dépend des OPCO, donc je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais ça dépend vraiment des OPCO. Il y a une prise en charge des temps, c'est considéré comme du temps de formation, et c'est pour ça aussi qu'on parle de traçabilité, on parle de feuille d'émargement. Donc il y a une rémunération, une compensation au coût horaire de formation en interne, donc ça va être de la formation en interne. Si certains utilisent des contrats de professionnalisation 100% sur mesure type Prodiat, on est dans ce même registre. Hein, donc, on est sur de la compensation de la formation par l'OPCO. En revanche, on peut avoir, selon les OPCO, des aides tutorales. Par contre, les aides de service RH sur le volet ingénierie, je ne l'ai vu dans aucun des OPCO. Et c'est pour ça aussi que les OPCO proposent aux entreprises une aide extérieure. Elle prend en charge les cabinets spécialisés en RH. Je crois qu'il y a d'autres questions. Mais Stéphanie demande si on peut ajouter des MOOC en action de formation. Oui, tout à fait. Et tu avais une question d'ailleurs, c'est peut-être. Un apprenant peut très bien se filmer en situation et envoyer sa vidéo pour qu'il y ait un retour à distance du tuteur. Il y a aussi à distance. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est important, ça, Géry, on n'en a pas parlé. Mais si vous êtes des structures qui souhaitaient mettre en place une AFES pour une typologie de public, je vais prendre un exemple la conciergerie, par exemple, des concierges d'immeubles. Ben, on sait que les concierges d'immeubles travaille à distance, bah effectivement, on peut tout à fait mettre en place des supports de formation, des actions de suivi et former l'ensemble du public, si je reprends le concierge d'immeuble, sur l'ensemble de mes départements et de mes établissements. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être une structure où tout le monde doit être au même endroit. On peut tout à fait le faire en distanciel. J'irai parler des outils de filmer. Ça peut être aussi sur les bonnes, l'analyse des pratiques. Le fait de filmer, donc y a là vraiment dans le diagnostic où vous pourrez être aidé, puis après ça dépend aussi de vos cultures d'entreprise, peut-être le fait de filmer c'est pas du tout dans vos cultures d'entreprise, mais ça peut être innovant et finalement ça peut être vraiment quelque chose de chouette à mettre en place au sein de vos structures. Enfin, y a dans le mode d'animation et ne vous mettez pas de frein si vous vous dites, ben oui, nos salariés ne sont pas tous au même endroit, c'est pas grave. La FEST peut répondre même si vous êtes éloigné en distanciel. C'est bon, Géry, au niveau des questions? Oui, je pense qu'on a passé les quelques questions. Merci beaucoup pour vos questions. Avec Charlotte, évidemment, on a été ravis de vous présenter la FEST. Lors de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre écoute à tous et votre participation, bien évidemment. Voilà, Charlotte, je me reste qu'à vous dire à bientôt pour une autre thématique. Un autre webinaire. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir.